tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau studio vlog et j'espère que vous allez bien. Alors, le programme de cette semaine. On va faire les planches de Ghibli et je les mets en top priorité parce que j'ai un plan en tête. J'aimerais bien commander les tote bags. Alors, je ne vais pas en commander beaucoup, je pense que j'en ferai 10. Pas moins parce qu'après, ça commence à coûter, à revenir beaucoup plus cher à l'unité. Mais pas plus parce que je ne veux pas prendre le risque de me retrouver après avec un stock sur les bras. Donc je vais imprimer les designs de Ghibli. Et comme je vous l'avais dit, a priori, quand on le fait faire par un prestataire, on peut faire beaucoup plus large, la surface d'impression est plus large que si je le fais moi, parce que moi je suis limitée évidemment avec le papier transfert au format A4. Et du coup j'avais conçu mes designs pour que ça rentre dans du A4. Mais là, comme a priori je peux imprimer en plus grand et en plus large, je vais déjà agrandir les designs et en plus, je vais piquer des nouveaux designs, je vais en rajouter quelques-uns, des planches que j'ai déjà faites, donc les deux de la dernière fois, c'était Chihiro et Totoro, et là, de celles qui vont venir, donc de Ponyo et du Château Ambulant. Comme ça, je vais pouvoir rajouter des designs, je pense que c'est pas plus mal sur le tote bag, ce sera sympa, mais du coup, il faut que je les fasse. Donc ça, c'est ma priorité, puisque une fois que j'aurai les planches de stickers des deux Ghibli, bah, je pourrai aussi du coup enchaîner avec les tote bags. Donc ça, ce sera envoyé à l'impression et ce sera prêt du coup pour novembre, j'espère, si tout va bien. Et comme ça, je pourrai voir si ça a du succès. Le mois de novembre, en fait, ça va être un petit peu le mois test, aussi bien pour les tote bags que pour les badges, parce que du coup, je vais faire des tout petits stocks et je vais voir ce que ça donne. Si je vois que ça marche bien, je sais que pour décembre, je peux commander des stocks un petit peu plus importants. Par contre, si je vois que ouais, bof, bon, bah, j'évacue puis on n'en parle plus. Donc je vous parlais des badges, j'ai mis au propre les trois designs de la forêt enchantée que je vous avais montré, le petit renard, le cristal et le champignon. Et du coup, je me suis rendu compte sur le site où j'avais l'intention de les faire imprimer, que peu importe le nombre de designs que vous faites, c'est le même prix au niveau des frais de port, c'est pas pire, c'est pas plus cher si vous en faites plus. Du coup, je pense que tout simplement, je vais faire un essai. Je vais choisir, je pense, le renard, et je vais le faire. Et je vais regarder ce que ça donne. Si je trouve que c'est mignon et que ça rend bien, je fais les deux autres et comme ça, j'aurai mon petit set. Voir pourquoi pas essayer de faire des petits sets de trois badges, mais sur des thèmes différents. Pourquoi pas Ghibli, par exemple. Ça pourrait être sympa pour accrocher sur les tote bags et tout. Donc ça, c'est à réfléchir, mais je vais déjà faire un essai. Et si ça me plaît, pareil, je commande les autres versions. Je les mets en vente pour le mois de novembre et je regarde comment ça se passe. Je pense que ça pourrait être assez sympa comme des cadeaux parce que pour Noël, bah comme c'est pas très cher et que ça a le mérite d'être plus original que ce qu'on peut trouver dans le commerce, puisque ça se trouve pas dans le commerce, et ben ça pourrait être assez sympa, mais bon, entre ce que des fois entre ce que j'imagine moi et ce qui se passe réellement, il y a un fossé. Donc le mois de novembre, ce sera le bon moyen de voir un petit peu, d'avoir un petit peu de recul par rapport à ça. Et bien sûr, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le genre de produit que vous pourriez acheter ou recommander à quelqu'un qui chercherait une idée cadeau? Ça m'intéresse. Et bien voilà le programme de cette semaine. Allez, c'est parti. J'ai fait les croquis pour les planches de Ghibli. Donc ici, on a le château ambulant. Voilà ce que ça donnerait grosso modo. Je vais rajouter quelque part par là le chapeau. Et lui, finalement, je le préfère le faire de face. Et Ponyo. Ponyo va rester à peu près comme ça, la planche. Je pense que je vais juste retourner, faire un effet miroir sur cette image-là pour qu'elle suive le mouvement des petites Ponyo. Lui, évidemment, il faut que je le déplace. Et là, il va y avoir le bateau que j'ai refait un peu mieux ici. Maintenant, je vais passer tout ça sur papier aquarelle avec la table lumineuse et je pourrai attaquer la version définitive. Thank you.
Yeah.
Et bien voilà mes chachous, je finis avec une longue séquence blabla story time parce que j'ai pas mal de trucs à vous raconter sur la vie de l'atelier mais que j'ai pas filmé parce que c'était soit pas très intéressant, soit c'était à des moments de la journée où c'était pas optimal de filmer. Donc déjà, petit bilan de la semaine, on a fait ce qu'on avait prévu, à savoir nos deux planches de stickers, Pogno, qui est ma préférée, et le château ambulant. Donc je les ai découpés, stockés, rangés, il n'y a plus qu'à attendre la mise à jour, comme j'avais fait pour la planche de l'hiver et de Noël, et je suis soulagée, je n'ai plus à m'en préoccuper. Simplement, je crois que le dernier film que j'aimerais faire c'est Mononoke, et je me dis que du coup je vais peut-être le faire aussi ce mois-ci, comme ça j'aurai fini avec tous les trucs licence Ghibli, et j'ai plus besoin de m'en préoccuper. Ensuite, on va faire l'illustration aussi dans la semaine qui vient, parce que j'aimerais vraiment bien qu'il y ait une illustration, en espérant que cette fois, il n'y aura pas de problème. Et après, vous m'avez vu monter un petit meuble. Alors, je suis allée à Action. Simplement, je ne vous ai pas filmé le haul parce que c'était vraiment pas très intéressant. J'ai pas pris grand-chose. Et ce que j'ai pris, c'était pour l'essentiel du réassort. J'ai racheté du papier cadeau, de la ficelle, du scotch, enfin bon, voilà, des trucs bof, quoi. Pas super intéressant. Cela étant dit, j'ai quand même pris deux choses en plus. On va commencer par ceci. Alors cette petite licorne, ne vous attachez pas à elle, hein, parce qu'elle va être sacrifiée. Je l'ai achetée pour Oli, parce que ma minette là, je ne sais pas ce qu'elle a, depuis une semaine, elle est en mode vénère de sa life, et elle défonce tout ce qu'elle trouve. Donc elle a commencé par s'en prendre à mes petites pelotes, vous l'avez vu, je crois, je vous l'avais filmé, alors que ça fait des semaines que c'est posé et qu'elle n'y touche pas, et là ça fait des jours qu'elle est bloquée là-dessus, elle veut absolument leur mettre une raclée. Tout y passe, hein, les plantes, mes tissus, tout, genre mes chaussons, elle a besoin de défoncer des trucs. Du coup, je m'ai acheté cette petite peluche pour qu'elle se défoule dessus. Alors l'idée, les gens qui ont des chats savent qu'il ne faut pas leur donner, parce que si vous leur donnez, ils s'en foutent. Par contre, si vous le posez et qu'ils ont l'impression que genre ils ont dégoté, là, ça marche, donc je connais mon public, je vais la poser discrètement dans un coin, la petite licorne là, et je vais attendre qu'elle tombe dessus, et je pense qu'elle va, ça va bien prendre. Je pense que mon plan est pas mal, mais on verra ça. Bref, sinon, j'ai acheté un autre truc que j'avais pas prévu, mais que tout d'un coup j'ai eu une illumination, c'est des enveloppes bulles. Alors, elles sont pas top celles de Action, mais j'ai pris comme ça pour dépanner. En fait, j'ai réalisé que j'ai prévu de faire les tote bags, les badges et tout ça, c'est bien. Simplement, j'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais les expédier. Alors, si quelqu'un prend juste un tote bag, c'est pas un problème, hein, tu mets ça dans une enveloppe bulle, c'est bon. Si quelqu'un prend juste un set de badges, c'est pas un problème, tu mets ça dans une enveloppe bulle, c'est bon. Par contre, si quelqu'un prend par exemple un set de badges et des stickers ou un print, là, ça se complique parce que les deux produits n'ont pas du tout besoin du même genre d'emballage. Les badges, il faut les protéger. Et de toute façon, il ne faut pas que ce soit en contact direct du papier, sinon ça va abîmer le papier. Et le papier, par contre, ça a besoin d'être sur quelque chose de rigide parce que si vous mettez ça dans une enveloppe bulle, bah ça va être complètement froissé, complètement défoncé. Donc, problème. J'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver des solutions. Le truc, c'est que Il y a du choix, hein. Mais pour l'essentiel, il faut acheter, par exemple, sur AliExpress, ce genre de choses, parce que c'est beaucoup moins cher et vous pouvez avoir des plus grosses quantités, etc., etc. Sauf que je m'y prends un peu tard, donc, je sais pas, on va voir. On va tâcher de se débrouiller, et puis bah, on s'adaptera. Au pire, je sais que je peux commander sur Amazon, parce que c'est exactement les mêmes produits, simplement, c'est deux fois plus cher. Donc, si je peux éviter. Mais bon, si pour dépanner, il faut en passer par là, on fera comme ça. La logistique hein, d'avoir une boutique. Bref, donc ça c'était pour mes petits achats là pour la boutique. Ensuite, comme je vous l'avais dit, j'ai voulu passer commande pour les tote bags et pour les badges. Donc ça c'était le truc que je m'étais dit, je le fais ce mois-ci, c'est sûr et tout. Et j'ai voulu commencer par les tote bags. Alors les tote bags, ça va être comme les marque-pages, genre le truc avec multiples rebondissements, galère, on comprend pas trop parce qu'à la base c'est un truc quand même simple à faire et c'est en train de prendre des proportions. Bref, donc les tote bags, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait d'impression en ligne,
Je vous explique un petit peu comment ça marche. Mais d'abord, je bois un coup. Alors, mettons que par exemple, vous voulez faire des cartes de visite. Vous connaissez tous Vistaprint, hein, ils n'arrêtent pas de faire les pubs à la télé, genre 100 cartes de visite pour 15 euros. Vous allez sur le site de Vistaprint, vous sélectionnez ce qui correspond à ce que vous aviez repéré, donc 100 cartes de visite pour 15 euros. Et vous arrivez sur une page qui est une espèce de page de simulation. En fait, vous pouvez prévisualiser votre produit. Et après, vous avez toutes les options et vous modifiez au gré de vos envies, vous rajoutez des trucs, vous en enlevez, etc. Donc en fait, vous sélectionnez le truc de base qui était donc 100 cartes de visite pour 15 euros. Ben après, vous pouvez modifier. Si par exemple, vous décidez de faire 200 cartes au lieu de 100, et ben vous modifiez la quantité et hop, le prix se met à jour automatiquement. L'idée, c'est que vous voyez en temps réel, avec les modifications que vous faites, ce que vous allez devoir payer à la fin. Vistaprint, il y a une petite particularité, c'est que comme c'est des produits que vous pouvez imprimer recto verso, ils vous filoutent un petit peu, parce que ce qu'ils ne vous disent pas quand ils vous disent « ouais, 100 cartes de visite pour 15 euros », c'est que ça, c'est juste pour imprimer un côté. Si vous voulez imprimer les deux côtés, c'est un peu plus cher. Et je vous le dis parce que c'est en lien direct avec ce que je vais vous raconter pour les tote bags. Donc le site de tote bag, ouais, ça marche exactement pareil, c'est un site d'impression sur textile. Je suis allée là-dessus parce que c'était le plus connu, le plus recommandé, donc voilà. Et vous sélectionnez le support, donc vous pouvez imprimer sur t-shirt, plein de trucs différents. Moi je sélectionne tote bag. Il vous met automatiquement sur la page donc, où vous faites votre simulation. Par défaut, il se met sur quantité 1, donc ça j'ai modifié tout de suite, j'ai mis 10. Et j'ai gardé le prix. Et c'est le prix sur lequel je me suis basée pour faire ensuite tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire décider de passer par un professionnel, parce que je trouvais que c'était pas tellement plus cher que si je le fais moi-même. Et ce qui me gêne avec les tote bags, avec le fait de le faire moi-même, c'est que c'est extrêmement long à faire. Donc j'avoue que ça m'arrange de passer par un professionnel. Et l'autre chose que je vous avais dite, c'est qu'il fallait que je retravaille les designs, parce que quand on passait par un professionnel, on peut imprimer sur une surface plus importante, on n'est pas limité au A4. Et du coup, c'était stupide d'imprimer juste en A4 alors que je pouvais imprimer plus. Et j'ai passé une après-midi entière, cette semaine, à retravailler les deux designs de Ghibli, puisque c'est un dessin différent sur chaque côté du sac, pour l'ajuster à la taille et pour pouvoir lancer enfin l'impression des tote bags. Donc, je passe mon après-midi à faire ça. Et le soir, j'avais fini, je me dis, allez dans la foulée, je fais imprimer mes trucs, comme ça, c'est bon, c'est fait. Donc, je vais sur le site, je recommence mon truc, donc je vais sélectionner impression sur tote bag. J'arrive sur la même page que j'avais vue la première fois, je modifie la quantité, le prix se corrige. Et du coup, j'avais le prix que j'avais bien en tête, donc il n'y avait pas de modification, c'était bien ce qui me semblait, pas de problème. Alors si vous me demandez pourquoi j'ai mis quantité 10, c'est simplement parce que c'est la quantité minimum à partir de laquelle les prix deviennent dégressifs. Donc voilà, après je n'ai pas voulu faire plus parce que je me suis dit juste pour essayer, je m'étais dit pourquoi pas faire 10 Ghibli, 10 Zelda, et puis voilà c'est tout. Et c'était déjà une petite somme. Donc je sélectionne après mon image, je l'ajuste sur la petite truc de simulation, nickel. Je fais imprimer l'autre côté, je mets mon deuxième design, et là je vois que le prix a quadruplé. Alors je me dis, attends, il y a un problème, parce que quand bien même c'était à l'instar de Vistaprint, le prix affiché c'était que pour imprimer une face, même si tu imprimes l'autre face, que ce soit plus cher, ok, mais quatre fois plus cher, c'était hyper bizarre. En fait là ça me revenait au même prix que si je faisais quatre séries de sacs différents. Ça n'avait aucun sens, donc je me dis, attends, il doit y avoir un problème. Je supprime le deuxième design, donc je me retrouve avec juste un seul côté du sac imprimé. Le prix baisse de moitié, mais il était quand même deux fois supérieur au prix d'origine. Donc là, je ne voyais pas quoi corriger, les quantités étaient bonnes, et j'avais qu'un seul design, d'où je me suis dit, attends, le site il doit bugger. Je ferme tout, je recommence, je repars sur une page vierge, je resélectionne impression sur tote bag, quantité 10, je retrouve le prix que j'avais à l'origine, ok. Je télécharge mon design et là, le prix, il double. Donc, si tu as bien compris, le site, en fait, le prix qu'il t'affiche par défaut, c'est le prix si tu imprimes rien du tout.
c'est comme si tu allais sur le site de Vistaprint, que tu sélectionnais tes 100 cartes de visite pour 15 euros, mais que c'était les 15 euros, c'était pour 100 cartes de visite sans rien imprimer dessus, tu vois, juste le bout de carton. Mais c'est quoi ce site? C'est d'une débilité. N'importe quoi. Donc en fait, si je veux imprimer juste une face de tote bag, il fallait que je paye le double par rapport à ce que j'avais prévu. Et alors si je voulais imprimer les deux faces, ça me revient, écoutez bien, 10 fois plus cher que si je le fais moi-même. Franchement, je comprends pas. Parce que c'est normal hein, que quand on passe par un prestataire, on paye un peu plus que quand on fait soi-même. Par exemple, le sticker app, si je fais imprimer mes stickers plutôt que de les faire moi-même, effectivement, je vais payer à peu près le double. Bon, tu payes, c'est pas 4 fois plus cher. Enfin, franchement, c'est absurde. Bref. Du coup, je me suis dit, ok, tu sais quoi, tu vas t'arrêter là. Laisse tomber l'impression en ligne. C'est vraiment, je suis très étonnée. Hein. Le prix, c'est délirant. Vraiment délirant. C'est genre presque 200 euros pour avoir 10 pauvres sacs. J'ai laissé tomber parce que évidemment je vais pas, même si ça m'arrange de pas avoir à les faire moi-même, parce que comme je vous le disais, ça prend beaucoup de temps. Si c'est pour après devoir vendre les sacs 30 euros, personne va les acheter, enfin c'est débile. Donc bref, je repars sur mon plan d'origine. Donc je vous remontre les designs parce que je sais pas si vous les avez tous vus. Ghibli, donc si vous vous souvenez, ça c'est un des côtés et ça c'est l'autre côté. Et Zelda, je crois que je vous avais pas montré par contre, donc là je vous remontre. Là, c'est un des côtés. Et ça, c'est l'autre côté. Là, c'est beaucoup plus officiel, beaucoup plus sérieux. Et puis là, c'est le côté un petit peu plus fun. Donc, ces deux designs, comme ils sont faits, je vais partir là-dessus. Simplement, il faut que je recommande un lot de tote bags vierges sur Amazon parce que les premiers que j'avais commandés, bah, comme j'en ai déjà utilisé plusieurs pour faire mes essais et tout, voilà. Ça me saoule vraiment. Pas de pas passer par un professionnel parce que ça, c'est pas très grave. Simplement, j'ai quand même passé une après-midi à faire quelque chose qui n'a servi à rien. Donc déjà, paye ta perte de temps. Et ensuite, ça m'arrangeait vraiment de pas consacrer des après-midi entières à faire les tote bags. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Ce qui est bien par contre avec le fait que je l'ai fait moi-même, c'est que je pense que je vais faire encore moins que ce qui était prévu. Je vais en faire 10, mais je vais en faire genre 5 de Ghibli et 5 de Zelda. Et puis je vais partir là-dessus. Si je vois que ça marche, bah en plus je peux restocker rapidement parce qu'il suffit que je recommande sur Amazon et hop, je peux les refaire rapidement. Et si ça marche pas, bah au moins j'aurai pas un stock sur les bras. Parce que pour le coup, les tote bags, c'est quand même beaucoup moins facile à écouler qu'un print ou qu'un sticker parce que c'est pas un truc que je peux mettre comme ça en cadeau. Enfin voilà, ça coûte quand même cher à fabriquer et puis en plus ça reste un objet assez encombrant donc bon. Je serais quand même contente de ne pas avoir fait du stock si ça ne me sert à rien. Voilà, donc ça c'est pour les tote bags. En revanche, pour les badges, no susai. Alors, juste le site, c'est creabadge.fr. C'est la délicieuse Louisa de Ectomorph qui l'avait recommandé dans un de ses studio vlogs. Donc, je me suis dit, elle a raison. C'est français, on a les produits rapidement. S'il y a un problème, on peut appeler le service client. Donc voilà. Pour une fois que c'est des trucs qu'on peut faire en France, qui existent en France et à des prix normaux, sans vouloir taquer les tote bags, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a pas de raison de se priver. Donc je suis allée sur ce site. Le site en lui-même, comment je pourrais dire ça poliment? Il est à l'ancienne, on va dire. C'est genre un site rétro tel qu'on les faisait il y a 20 ans. Pas le plus moderne et pas le plus ergonomique, hein, clairement. Tu patauges un petit peu. C'est à toi de faire tes designs, ils vous filent les gabarits et démerde-toi sur Photoshop avec ça. Les informations à lire, elles sont pas hyper... Ouais, le site, il est pas très pratique, quoi. C'est vraiment un petit peu vraiment rustique. Voilà, c'est rustique. Mais bon, cela dit, j'ai quand même réussi à faire mes trucs, donc pas de problème. Et j'ai eu une très bonne surprise, parce que j'ai découvert, en passant la commande, qu'en fait, si par exemple tu fais 50 badges, eh ben tu peux varier les modèles, t'es pas obligé de faire 50 fois le même. Ce qui du coup m'a changé tout mon plan, parce que moi j'avais prévu de commander le minimum,
enfin le minimum à prix raisonnable, on va dire, parce que j'avais prévu de faire que le renard. Mais là, quand je me suis rendu compte que en fait, bah, je pouvais varier les designs à volonté, j'avais pas capté parce que sur leur site, ils appellent ça panachage de modèles. Alors, j'avais pas compris à quoi ça correspondait. Et c'est quand vous mettez le produit dans votre panier que là, ils vous demandent combien de modèles différents vous avez prévus. Et c'est là que j'ai capté, que j'ai fait, ah d'accord, en fait, tu peux varier les modèles, ok. Donc, je suis allée faire les trois de la forêt enchantée. Le renard était déjà fait, c'était celui que j'avais prévu d'imprimer. Et j'ai fait aussi le champignon et le cristal, donc sur mon petit thème à la forêt enchantée que j'aime bien. Et je me suis dit, ben tu sais quoi, tu vas faire aussi les Ghibli et les Zelda. Parce que comme ça, il y aura les tote bags avec. C'est pas mal. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et l'autre très bonne nouvelle avec ce site, que du coup je vous recommande chaleureusement, c'est qu'a priori, je les ai commandés il y a 2 jours, et j'ai déjà reçu un message de la poste pour me dire que le colis est en route, donc je devrais le recevoir là, très rapidement, en 1 semaine. A priori, c'est bon, vous avez vos trucs. Donc franchement, pas mal. Maintenant, il faut qu'on voit ensemble la qualité, parce que je n'ai pas encore vu. Je ne vous montre pas les designs, parce que je veux vous garder la surprise, qu'on déballe ensemble. Et je suis vraiment contente, pour le coup, d'avoir passé la commande tout de suite, parce que, donc déjà, bonne surprise. Ça m'a consolée après le fiasco du tote bag. Mais aussi, l'autre truc qui est vraiment cool, c'est que si jamais c'est moche, c'est raté, et que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, eh ben, vous pourrez me consoler dans les commentaires. Parce que pour le coup, on va voir ça ensemble en direct. Donc c'est très cool. Bien voilà, je pense que cette fois, j'ai fini avec tout mon blabla. Donc les tote bags, je vais les faire moi-même. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de les faire la semaine prochaine, puisqu'il faut déjà que je fasse la planche de stickers, il faut déjà que je fasse l'illustration. Et puis donc, du coup, j'aimerais bien voir les badges, si jamais ils sont bien imprimés, qu'ils sont beaux et tout, parfait. Il va falloir quand même que je les conditionne, donc tout ça va falloir me réfléchir, parce que je n'ai même pas réfléchi à ça. Pour vous dire, je pense que je ne voulais pas trop m'avancer, tant que je n'ai pas le produit. J'ai toujours peur que l'impression ne soit pas top, que la qualité ne soit pas top et tout, et que du coup d'être déçu et d'avoir réfléchi ou d'avoir investi de l'argent pour quelque chose qui au final n'en valait pas la peine. Mais là que ça commence à se concrétiser, de toute façon ça va être vite vu puisque c'est d'ici la fin de la semaine. Donc je vais bien voir si les badges ça valait la peine ou pas. Quoi qu'il en soit, donc tout ça, ce sera à faire pour le prochain vlog. Et les tote bags, je pense que ce sera peut-être un petit peu cette semaine, peut-être un petit peu la semaine prochaine, parce que comme c'est long à faire, je vais peut-être répartir un petit peu le boulot. Et puis on verra. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez vu des trucs intéressants. Le prochain vlog promet aussi d'être plutôt pas mal, puisque pour le coup, il y aura un petit peu de variété. Il y aura du dessin, des badges, des tote bags, donc ça devrait être plutôt pas mal. Je vous laisse avec un petit bonus. Et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Bye !